Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La nouvelle année commence, les résolutions, mon cher Tamba. Lamine, mais elle ne diffère pas particulièrement de celle qu'on a eue, que j'ai eue personnellement. Depuis là, au plan personnel, il y en a toujours. Ouais. Mais au plan du service public que nous nous rendons, c'est toujours la détermination qui nous a caractérisés. Ouais. Et beaucoup de souhaits surtout que l'on puisse continuer avec beaucoup de courage, de détermination et de volonté de rester dans le sens d'un service bien rendu aux Guinéens. Ouais. Si cela est fait, je pense que 2019 aura réussi pour moi. Voilà. Et bien entendu, il se marie tout autour de moi. Mmh. Ça reste également un projet pour l'année qui commence. Voilà. Bah, t'inquiète pas de ce côté. Ouais. Vous le voyez à l'écran, on va faire un petit peu l'agence matrimoniale en direct chez les grandes gueules. Les grandes gueules. Moussa, ici, là. Oui. Ouais, l'année démarre avec des ambitions, évidemment. Félicitations pour Immersion d'Addis. Merci. Carton. On se dit, ça démarre très bien. Hein. Oui, un travail laborieux. Ouais. Qui a vu le jour grâce à l'implication de beaucoup de personnes. Ouais. J'ai souvent cité ces hommes de l'ombre, dans l'ombre qui travaillent à vous mettre en lumière parce qu'ils sont derrière les caméras et tout ça. Mmh. Depuis Espace Zali Collé, avec Facili Konaté et l'appui de Moïse Sorti de l'eau, ils sont allés jusque dans les villages, parce que Dalis a grandi entre trois localités, j'en ai parlé, donc ils sont allés voir les parents biologiques de Dalis. Mmh. Donc merci à cette famille qui a accepté donc de recevoir Espace. Mmh. Et également à Moïse Sorti de l'eau, à ses techniciens, Belrefori, Daouda Yatara. Ouais. Donc, pour le et travail surtout, qui a été accompli. Ouais. Surtout à Mohamed Silla aussi, hein, du côté de la RTG. Qui nous a... pour ses archives, parce que c'est un problème assez crucial. Justement. Ce pays n'a pas d'archives. Ouais. Je ne sais pas si on se rend compte des difficultés liées à cela. Nous n'avons pas d'archives, nous n'avons pas de mémoire visuelle. Ouais. Et un pays qui n'a pas de mémoire visuelle, je me dis, même pour les audios, c'est encore difficile. Mmh. Il faut passer par de bonnes personnes. Je salue au passage Monsieur Silla, mais aussi Omar Lebon. Okay. Et l'ancien présentateur, l'ancien directeur de la RTG, j'ai oublié son nom, qui avait accepté de me donner des images exclusives de Moussa Dalis parce qu'il était l'un de ses proches. Ibrahim Ahmed. Mais c'est sous un format assez... dirais vétuste. Mm-hmm. Donc il fallait réadapter ça, mettre ça sur au goût du numérique. Mm-hmm. Donc ça a pris du temps et le magazine ne pouvait pas attendre. Donc il faudrait que l'État y pense. Mm-hmm. Il faut qu'on ait des archives. Ouais. Et vous sortez tout de suite, on me dira d'accord, c'est la France. Mm-hmm. Et vous voulez savoir quelque chose sur Monsieur Pompidou, sur De Gaulle et tout ça. Mm-hmm. Et vous allez sur INA, vous avez les images. Ouais. Même pour les bonnes photos de l'ancien Raconté, il faut aller sur Getty Images. Ouais. C'est incroyable, la culture des enfants. Ce sont les étrangers qui les ont. Donc, je pense que l'État doit investir dans les archives. Serait peut-être l'une des missions, d'ailleurs, de Amara Sampare. Ce serait une véritable bonne chose parce que le pays en a besoin. Et souvent, quand vous voulez revisiter l'histoire, vous êtes obligé d'aller demander à des étrangers sur votre propre histoire. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut se plaindre que notre histoire soit déformée par les autres? Quand c'est vers les autres que nous partons pour tendre la main, eh bien, racontez-moi comment était mon grand-père en 1950. Il vous dit, bon, voici la photo. Une photo peut-être déformée, une photo authentique. Vous n'en savez absolument rien parce que vous n'avez pas eu la capacité ou vous n'avez pas eu du tout le courage de mettre... à point des mécanismes vous permettant de le faire. Nous sommes à l'ère du numérique, on peut transférer toutes ces bases de données. Ils peuvent, le jeune ministre peut lancer, je ne sais pas moi, une sorte d'appel on verra à bien. Tous ceux qui détiennent ces images-là de venir. Ils peuvent faire un transfert. Il y a un service archive normalement. Oui, je ne sais pas à quoi ça se limite, sincèrement. Mais je prends tout ça avec des pincettes. Quoi. Ça le démange. Oui, absolument. Moi, je plains à Moussa ce matin. Ouais. En fait, il parle là de mémoire historique du pays. Ouais. Mais même la mémoire présente, passez-moi le mot, la mémoire actuelle n'existe pas. Ouais. Allez sur nos institutions, tapez sur leur site internet, cherchez une documentation. Je vous donne un exemple banal, la CENI. Allez sur le site de la CENI, par exemple, demandez, par exemple, sur la rubrique documentation, demandez que l'on vous présente ne serait-ce qu'un code électoral, ne serait-ce que les codes de bonne conduite qui ont été développés dans le cadre des élections, ça n'existe pas du tout. Mais ça, c'est une autre réalité. Après, parce que ce que Moussa Moïse est en train de décrire, c'est pour le futur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a besoin d'informations sur notre présent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ouais. Et je pense que de ce côté, il faut qu'on se bouge. Voilà, il faut se bouger. C'est très important. Titi, des résolutions pour cette nouvelle année 2019, mon cher ami. Pas de résolution particulière. Ah ouais? Et, tout simplement... souhaiter que notre pays puisse
amorcé cette année avec beaucoup de stabilité. Mmh. Je le souhaite pour mon pays parce que c'est il y a beaucoup de nuages à l'horizon. Ouais. On espère que on va en sortir les brins nets. Ouais. Il y a cette bonne nouvelle que nous allons annoncer tout à l'heure. Et la perspective d'un protocole d'accord d'une issue heureuse à la grève du SLEG et par la suite, j'espère qu'on va s'attaquer aux conflits politiques liés aux dernières élections communales dans notre pays. Il y a l'imbroglio de Matoto dont il faut sortir. Surtout, il y a des grandes gueules. Tout cela pour permettre à notre pays d'avancer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économie, c'est le social, c'est la justice. C'est l'éducation. C'est l'éducation, surtout l'éducation. Ouais. Donc j'espère que on va permettre enfin à ce gouvernement, et donc il va se donner les moyens. Il faut croiser les doigts, hein, parce que quand tu assistes un petit peu, en tout cas, aux assemblées générales de partis politiques, c'est juste incroyable. C'est, au lieu de faire des propositions, c'est des attaques. Oui, c'est des attaques, des contre-attaques. Absolument. C'est de la folie. Donc je pense que la propagande dans tous les sens. À un moment donné, on a besoin de sortir de ce débat politique, de mettre tout cela en veilleuse pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, sur le développement de notre pays. Mais c'est très compliqué parce que nous abordons une année assez cruciale au cours de laquelle la Guinée devrait organiser des élections législatives. Ça s'amorce pas dans les meilleures conditions. La classe politique doit très rapidement se mobiliser pour mettre en place une nouvelle CENI. Ouais. Ce n'est pas aisé. Et du côté de l'Assemblée nationale Ensuite, justement, il y a comme un air de glissement de mandat de nos députés. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Et il y a 2020 aussi qui arrive. Il faut préparer tout cela, permettre au pays de souffler un tout petit peu, mettre fin à ces manifestations, à ces tueries, etc. Les grandes gueules. Moi, c'est tout ce que je peux souhaiter pour mon pays au cours de cette année 2019. Fils digne de Guinée, Aboubacar Diallo. Mafoudia Bangoura, bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, ma grande? Les résolutions. Beaucoup de choses, personnellement. D'abord, ce que je lui ai dit ce matin, qu'elle puisse avoir un époux. Le meilleur vœu qu'on puisse lui adresser cette année, c'est Marie, dans le premier trimestre. Bien. Et ça ne va pas tarder. Qu'est-ce qu'elle en veut? Ça va pas tarder. Allez-y. Elle en veut son micro, mais voilà quoi. Elle en veut pas. Allez, Tamba. Mais non. Bienvenue. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On va continuer avec notre invité déjà installé dans ce studio, Monsieur Thibaut Camara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à toute votre équipe. Très bonne année 2019. À vous aussi. Comment vous attaquez cette nouvelle année, Thibaut? Disons que, à titre individuel, je souhaite que ce soit une année de paix, de tranquillité, et pour le pays, bien entendu, nous souhaitons que l'année 2019 ressemble à la prospérité que Espace semble connaître avec ce nouveau studio, que cette prospérité s'étende à l'ensemble du pays et que nous connaissions des années plus paisibles, des années d'espoir, d'espérance, qui permettent au pays de reprendre les conditions de progrès optimales et de confiance dans notre système démocratique. Est-ce qu'on peut dire une année compliquée aussi, Thibaut Camara, fin connaisseur de la politique guinéenne? Vous n'allez pas faire langue de bois ce matin. Toutes les années sont devenues de plus en plus compliquées, partout et pour tout le monde. Donc la Guinée ne fera pas exception à la règle, même si c'est une exception qu'on aurait souhaité. Ce qui est vrai, c'est que le monde est devenu plus difficile. On le voit partout. On est dans des transitions sociale, après les transitions démocratiques que notre époque a connues, je ne doute pas que l'année 2019, qui se situe à la veille de l'année électorale de 2020, et qui est aussi l'année des législatives, qui vont être un test par rapport justement à l'année majeure de 2020, que la Guinée n'a pas du tout la possibilité de connaître une paix politique, il est évident, mais nous estimons que le débat démocratique doit s'organiser, s'ordonner, de manière à ce que, quels que soient les enjeux, on puisse aller dans un climat de sérénité. Je parle de sérénité, beaucoup plus de paix, parce que les enjeux sont tels qu'il y aura un peu d'agitation, c'est normal, mais que cela n'affecte pas la paix sociale et la vie des institutions. Et cette question ce matin, Titi, si tu me permets, est-ce qu'il y a un ticket gagnant en politique, Thibaut Camara? Un ticket gagnant, moi je pense que
aujourd'hui, l'issue des élections est incertaine. Ouais. La demande sociale est très forte. Le renouvellement de la classe politique, on le voit un peu partout. Mm-hmm. Ça peut commencer par une recomposition, comme l'émergence de nouveaux acteurs. Ce qui est évident, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Et c'est tant mieux pour la vitalité de la démocratie. Et aussi cette offre de renouveau qui fait défaut dans le débat politique, comme vous le dites souvent. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, depuis des générations, la Guinée est en quête d'un modèle démocratique et d'une classe politique exemplaire. Donc nous souhaitons que 2019 soit aussi le commencement de ce renouveau politique qui va permettre d'enrichir davantage la démocratie, parce qu'aujourd'hui, toutes les cartes sont brouillées et l'horizon semble un peu obscur. Justement, raison pour laquelle je posais cette question, vous parlez du renouveau. Pour vous, le renouveau, c'est de faire de l'ancien, parce que quand on voit un petit peu l'entourage du président Condé aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste le président qui a changé, parce que c'est les mêmes personnes qui étaient là avec le général Lansana Conté qui sont là. On a vu l'année dernière du côté de la Côte d'Ivoire, où Ouattara s'est prononcé carrément à dire ben, il faut passer la main. Et aujourd'hui, en Guinée, Condé, pour l'instant, ben, il ne fait pas l'effort dans ce sens-là. Quand vous parlez du renouveau, vous voulez dire quoi exactement? Le renouveau peut porter sur les pratiques, comme le renouveau peut porter sur les hommes. Oui. Chez nous, le renouveau porte davantage, en tout cas pour ce qui est du débat, sur le renouvellement des hommes que le renouvellement des pratiques. On voit que les systèmes changent, mais les pratiques demeurent. Bien. Donc il faudrait davantage insister sur un système de valeurs qui fasse avancer notre projet démocratique. Oui. Qu'un renouvellement systématique ou automatique des hommes. On a vu aujourd'hui des jeunes qui se comportent moins bien que les aînés et des aînés qui cherchent à renouveler leur offre pour paraître jeunes. Donc dans cette confusion de genre et d'hommes, il faut tirer peut-être le meilleur parti pour notre pays. Moi, je pense que le renouveau, c'est dans la tête, c'est dans la pratique. Ouais. Et aussi, savoir que notre époque a changé, et donc les exigences sont différentes. Ouais. Parce que, comme pour je vous l'ai dit, le président... Le fait que le président ne se prononce pas sur cette question que nous posons tous les jours, je dis quelque part que les médias sont responsables en ce qui concerne le troisième mandat. On a vu la Côte d'Ivoire, on a vu Alassane Ouattara qui a dit qu'il faut passer la main aux jeunes. La démocratie aujourd'hui, sur l'Europe, enfin, je veux dire, à travers le monde, on voit cette jeunesse prendre son destin en main. Le cas de la Guinée, il faut que vous prononciez dessus, c'est très important. Non, moi, je pense que chacun est dans son rôle. Les médias doivent se poser des questions. Et ceux à qui ces questions sont posées peuvent donner les réponses. Moi, je pense que, vous savez, vous l'avez dit vous-même, la politique, malheureusement, domine la vie publique dans notre pays. Malheureusement. Et je dirais même que la question du pouvoir pourrit un peu notre projet démocratique. Parce qu'en réalité, tout ce débat porte sur la conquête et la conservation du pouvoir. Ce n'est même pas un débat qui porte sur l'amélioration la conservation du pouvoir. Le débat politique sur notre pays a toujours porté, et j'insiste et je l'assume pleinement, sur la conquête et la conservation du pouvoir, moins sur l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, parce que ce débat est un débat de second plan, malheureusement, alors qu'il devrait être au cœur des préoccupations de tout le monde. Et puis ensuite, le débat porte pas sur un système de valeurs démocratiques, mais qui sera le prochain président, qui sera le prochain ministre, qui sera le prochain bénéficiaire d'un décret. Aujourd'hui, le destin personnel et individuel compte beaucoup plus que le projet national et cette communauté de destin que nous devons défendre. Il faut peut-être déjà commencer par inverser la tendance, de mettre le pays en avant et de travailler un destin national plus qu'à l'émergence d'individus, parce qu'on a vu que cela a montré ses limites. Ouais. On a remplacé les uns par les autres, on a remplacé des régimes l'un par l'autre, et jusqu'à présent, la question du destin national, de la prospérité du pays et du bonheur des Guinéens se pose. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours fait, jusqu'à maintenant, les choix utiles, et on n'a pas porté nos choix sur les valeurs nécessaires à faire avancer véritablement la société au-delà de chacun d'entre nous. Bien. Mettons un peu en avant le pays, peut-être qu'il se portera mieux que de chercher à améliorer notre sort individuel. Bien. Thibaut Camara, notre invité ce matin chez les GG. Il faut qu'on y revienne. Monsieur le ministre, ce constat que vous dressez, le président de la République est-il aussi concerné par cela? Est-ce qu'il est plus préoccupé par la conservation de son fauteuil que par le bien-être, l'épanouissement donc les conditions de vie des Guinéens? Vous savez, il y a un mérite que moi, personnellement, je reconnais au président de la République.
dès le départ et le commencement de sa vie, mmh. il a fait un choix qui était de s'engager en politique. Ouais. Il a été animé par une ambition constante. Président. Il a dédié sa lutte mmh. à conquérir l'État et l'a organisé toute sa vie par rapport à la politique. Ouais. Donc on peut dire que c'est un engagement de conviction, ouais. quoi qu'on en pense. Et aujourd'hui, sa présidence est l'aboutissement de ce parcours militant. Ouais. Donc, combien de personnes aujourd'hui ont eu une vie militante par le passé avant de s'engager dans la politique ? Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout est une question de choix mm-hmm. et de vocation dans la vie. Ouais. Quand on ne fait pas le bon choix ou quand on se trompe mm-hmm. de vocation le plus souvent, on passe à côté de sa vie. Ouais. Vous avez choisi d'être des journalistes. Jusqu'à présent, vous y êtes. Mm-hmm. Et Dieu merci, vous y avez prospéré parce que c'est un choix. C'est une conviction. Mais beaucoup font des choix par rapport, j'insiste, à leurs conditions personnelles mmh. et peut-être parce qu'on pense que c'est le raccourci pour réussir. Il faut d'abord faire les choses par vocation bien. Et par intime conviction. Alors pourquoi je veux bien revenir sur ceci ? Parce que ça, c'est important. Lorsque vous demandez à un autre acteur politique, à un acteur politique, par exemple occidental, pourquoi est-ce que vous vous battez, monsieur, oui. monsieur le ministre, qui vous répondra « Je me bats pour améliorer les conditions de vie de mes compatriotes. » Mais à vous entendre, on a comme l'impression que M. le Président de la République ne s'est battu que pour être président. Et maintenant qu'il est au pouvoir, 8 années après, vous êtes aujourd'hui au sein de cette équipe et vous nous apprenez que les débats ont toujours porté sur comment préserver son fauteuil ou comment le conquérir. Le peuple a-t-il pour une fois été au centre des préoccupations du Président de la République, M. le Ministre ? D'abord... je pense que j'ai été mal compris. Mm. Je vous ai dit que dès le départ, le professeur Alpha Condé s'est assigné comme objectif de conquérir le pouvoir d'État mm-hmm. et a développé pendant ce long processus politique et militant oui. qu'il a connu, oui. les idées, les ambitions qu'il portait pour le pays. Donc, dès le départ, il s'est dit, j'ai l'ambition de diriger mon pays parce que j'ai envie de faire ceci et cela. Mm-hmm. Maintenant, au rendez-vous du bilan, on va mettre en cohérence l'ambition qu'il a portée depuis qu'il était déjà leader politique, ouais. la vision qu'il a développée à la tête de l'État, et on saura si sa vocation à diriger le pays a été remplie. Mais ce que je peux dire, mm-hmm. c'est que son engagement n'est pas un engagement de hasard. C'est un les engagement militant ouais. issu d'un choix délibéré. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui font la politique, ils le font par un goût de revanche, mm-hmm. soit ils le font par une ambition personnelle. Mmh. Et je dirais même que c'est des parcours accidentels. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont fragiles dans la vie politique et ne sont pas constants le plus souvent dans les principes. Mmh. Le président Alpha, je le dis parce que c'est un choix délibéré, tout le monde sait que dans l'opposition, il a été constant, mmh. porté des valeurs et des principes qu'on ne retrouve plus d'ailleurs, malheureusement, dans le débat démocratique dans notre pays. Ouais. La façon dont ils avaient de faire la politique, leur génération, avec des valeurs, quoi qu'on puisse en penser, avec des idées et des principes, mmh. cette échelle de valeur, on ne la reconnaît plus dans le débat démocratique aujourd'hui. Bien. La politique aujourd'hui ouais. se résume à soi-même, à soi encore. Et les grandes gueules. Alors qu'au moins, avant, quelle que soit l'ambition personnelle qui sous-tendait le projet politique, mais au moins, on mettait en avant les valeurs. Et je pense que depuis qu'il est à la tête du pays, quoi qu'on puisse en penser, il y a quand même eu un tournant ouais. Dans la vie démocratique, d'abord parce que c'est un militant et ouais. un leader politique qui arrive à la tête de l'État, c'est la première fois d'ailleurs, mm-hmm. parce que Sékou Touré, c'était un syndicaliste au départ, qui s'est converti à la politique, et on a vu qu'il avait une formation idéologique, mm-hmm. il avait une conviction, quoi qu'on puisse en penser, donc c'est toujours normal mm-hmm. d'avoir une histoire et un parcours avant de se retrouver à la tête de l'État. Bien. Il ne faut jamais s'y retrouver par hasard, sinon, ça devient un péril quand même. Bien. Il a le mérite d'avoir eu ce parcours et je pense qu'on peut le reconnaître aussi, le mérite de faire l'effort de changer le cours de notre histoire comme il s'y était engagé en tant que leader politique. Mais évidemment, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je pense qu'il a fait de son mieux et aujourd'hui, il est trop tôt dans l'empressement de la cause politique mm-hmm. et dans l'euphorie des passions qui caractérisent notre pays, de dire avec beaucoup de lucidité et le recul nécessaire ce qu'il a fait de bien ou de mal. Bien. Et moi, bien sûr, j'estime que ce qu'il a fait pour le pays en tant qu'opposant était noble et le mérite qu'il a aujourd'hui, c'est de vouloir changer une Guinée qui refuse le changement. Voilà, une Guinée qui refuse le changement. À 9h40, ce matin, Thibaut Camara, notre invité.
Alors, M. Thibault Camara, vouloir changer un pays qui refuse le changement, je ne sais pas, je suis un peu perdu. Vous qui accompagnez le chef de l'État, vous êtes longuement revenu sur son passé, mais il faut dire qu'aujourd'hui, les Guinéens ont plus besoin d'un président que d'un opposant. D'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'à ce stade, les Guinéens se demandent encore, se posent beaucoup de questions sur leur quotidien, sur pas mal de choses? Qu'est-ce qui n'a pas marché, honnêtement, à l'avènement de, à l'arrivée du chef de l'État? Par quoi il a péché? Le problème de tous les chefs d'État, à commencer par le président Alpha Condé, qui sont reliés à la tête de l'État guinéen, leur problème, ce sont les Guinéens. Mmh. Parce qu'on ne peut pas quand même, de l'Assana Condé jusqu'à Alpha Condé, dire que tous les présidents qui étaient là n'étaient pas animés de bonne foi ou ne portaient pas une ambition pour leur pays. Mmh. Mais moi, je remarque depuis quelques années que tous les présidents qui se sont succédés avaient de bonnes intentions, avaient l'intention de changer le pays, de bien faire. Avaient l'ambition de bien faire. Oui. Le président Alpha Condé, je vais vous dire, moi, j'étais optimiste lorsqu'il est arrivé au pouvoir parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui arrive neuf. Mmh. Neuf, ça veut dire n'ayant pas une histoire ou un passé dans le pays qui constituerait une pesanteur d'aller de l'avant. Parce que lorsque vous êtes issu d'un système où vous avez trop de liens dans la société, il vous est presque impossible de procéder à la rupture qui suppose une certaine indépendance et une liberté de conscience totale. Donc pas d'alliance, pas de passé, pas une histoire confuse dans le système démocratique ou dans la gestion de l'État. C'était un atout pour changer le pays. Moi, ma déception personnelle, c'est de voir que cette volonté qui était réelle et cette liberté de départ qui était totale ait été confrontée à une réalité telle et à une condition humaine guinéenne telle que les efforts ont été limités, l'action a été entravée et finalement le président s'est beaucoup plus débattu à surmonter les difficultés liées à ses héritages successifs des régimes et surtout a été confronté à la nature de l'homme guinéen de telle sorte que lui-même, je suis convaincu, qui ne se reconnaît pas aujourd'hui dans ce qu'il est devenu par rapport à son environnement immédiat et aussi à la difficulté pour le Guinéen de faire des mutations. Parce que les Guinéens se disent, d'accord, le changement, oui, mais le changement passera et on renouera avec les mêmes habitudes. Bien. Donc le problème de la Guinée, c'est le Guinéen. La difficulté des chefs d'État à changer le pays, c'est l'obstacle que constituent les élites qui, encore une fois de plus, restent les mêmes, trouvent toujours un moyen de trouver une fenêtre dans l'histoire du pays pour préserver leur avenir et bloquer par l'immobilisme qui les a toujours caractérisés toute réforme et toute rupture. Sinon, le président Alpha Condé n'avait pas d'héritage qui l'empêchait de procéder à des réformes profondes. Il a même essayé les premières années, mais vous avez vu très vite, l'environnement l'a rattrapé et tout en se débattant pour préserver sa nature et son indépendance, il a connu ce que tous les autres chefs d'État ont connu, c'est-à-dire la difficulté d'aller de l'avant face à un environnement qui n'est pas toujours facile. Donc, on se rend bien compte que, comme ses prédécesseurs, il a été aussi victime du même système. Et vous avez tantôt dit que dans notre pays, le combat politique a toujours été la conquête et la préservation, la conservation du pouvoir. Est-ce que vous qui pratiquez le président Alpha Condé, vous sentez qu'à date, le président Alpha Condé est toujours dans cette logique? Il s'est battu pour conquérir le pouvoir. Il a été élu en 2015, élu en 2010 et réélu en 2015. Vous sentez toujours l'homme obnubilé par cette propension qui est commune à tous les dirigeants guinéens de vouloir toujours conserver son pouvoir? Non, moi je ne poserai pas le débat en ces termes parce que vous voyez déjà, depuis un certain temps, nous sommes dans ce studio, nous débattons de questions dans un contexte d'une actualité réellement brûlante. Mais vous avez vu, vous-même, vous n'avez pas résisté à la tentation de focaliser le centre d'intérêt de l'émission sur la question de la succession et du pouvoir. Ouais. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, quel système démocratique nous avons, comment améliorer la vie des institutions, comment faire en sorte que le débat politique soit le commencement d'un projet réel pour le pays. Comment faire en sorte que la population reprenne espoir dans le pays, reprenne confiance dans son élite et s'organise, comme vous l'avez dit, pour prendre en main son destin, pour qu'au-delà de la volonté de chacun d'entre nous, que l'aspiration profonde et populaire s'impose comme une directive à chacun d'entre nous. Moi, je pense que la question
de la succession, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Que sera la Guinée en 2020 ? Mm-hmm. De la conquête du pouvoir en 2020 ou de la continuité du système qui est en place ? Voilà aujourd'hui ce qui semble préoccuper et tarauder tous les esprits. Mais moi, personnellement, je me demande quel destin pour la Guinée et qui le mieux sera placé pour incarner notre fierté nationale en clair, et nous permettre de renouer avec l'espoir d'une Guinée meilleure. On va dire demander le peuple, mais demander le peuple, c'est un peu ça ? Moi, je pense qu'on a tout demandé au peuple. Ouais. C'est ça le sens des élections. Oui. Je ne vois pas l'innovation. Non. Vous savez très bien de quoi je parle. Allez-y, Moussa Mouissi, là. Est-ce, monsieur Thibault Camara, pour ne pas... Est-ce parce qu'il n'a pas envie de donner une large place aux destins individuels que le chef de l'État ne souhaite pas pour l'heure, 8 ans après donc sa prise de 8 ans de gestion donc à la tête du pays, est-ce pour ne pas donner donc une place prépondérante aux destins individuels qui n'a pas souhaité jusque-là se prononcer sur ses intentions de modifier ou pas la Constitution afin de se maintenir au pouvoir ? Ça, c'est la première question que je vous pose. Et la deuxième question, est-ce qu'il n'y a que des avantages au fait que le chef de l'État n'ait pas été mêlé à la gestion de la chose publique dans ce pays, qu'il n'ait pas été au sein de l'administration ? Est-ce qu'il n'y a que des avantages à cela ? Parce que lorsque le premier poste, le véritable poste que l'on occupe dans sa vie est le poste, la fonction du chef de l'État, il y a bien entendu beaucoup d'errements et lui-même il a reconnu « je ne connais pas la Guinée, je ne connais pas les Guinéens ». Moi je pense d'abord qu'il n'y a pas d'handicap à venir à la tête de l'État quand on a connu la vie qu'il a connue par le passé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas exercé une responsabilité publique ou n'a pas bénéficié d'un décret en particulier qu'il n'a pas forcément la connaissance ou l'expérience d'un État. Vous savez quand même que il a un parcours, et une histoire, et il a une formation aussi qui le prédispose à assumer des charges publiques. Vous savez, on a beaucoup de paradoxes dans le pays. Il est arrivé une époque ici où on a rejeté tout ce qui était ancien. Cela suppose d'avoir eu une expérience, d'avoir exercé la responsabilité publique. Ouais. On a dit qu'il fallait commencer à zéro, c'est-à-dire partir de gens qui, peut-être, étaient tellement neufs qu'ils n'ont jamais eu d'expérience dans leur vie. Oui. On a tenté cette expérience, on a dit non, finalement, c'était prématuré de faire appel à la jeunesse et de lui demander d'assurer la relève. Donc, le plus souvent, on ne veut pas des anciens, mais on trouve que les nouveaux sont assez neufs pour prétendre à des responsabilités. Les grandes gueules. Il faut peut-être mettre en avant les aptitudes et les qualifications pour exercer, et même les profils pour les fonctions, que de dire tel est ancien ou tel est jeune, ou tel n'a jamais eu d'expérience dans l'État, parce qu'on a vu quand même que beaucoup de ceux qui ont eu des expériences ne font pas mieux que ceux qui n'ont pas d'expérience, et inversement. Donc je pense que nous sommes à la recherche d'un modèle de gouvernance pour notre pays et des meilleurs hommes possibles pour tous les postes de responsabilité. C'est un processus. Moi, je suis optimiste quand je vois la Guinée aujourd'hui et la génération comme la vôtre, et qui dans le domaine de la presse a apporté une révolution que les générations antérieures n'avaient pas eu à faire. Par contre, sur le plan politique, la génération des Alpha Condé, des Bamamadou et des Jean-Marie Doré, permettez-moi l'expression, boxer dans une autre catégorie que la génération d'hommes politiques que nous connaissons aujourd'hui, et qui s'explique par la dégradation du débat politique et même la faillite démocratique. Sur la première question, M. Thibault Camara. Quelle était la question ? Le silence oui. Vous l'avez écouté récemment, à l'intérieur du pays, il a fait également des grandes promesses, mais qu'il souhaite réaliser, parce qu'il a quand même utilisé le jeu, il dit « je vais faire de la Guinée dans 5 ans, le pays le plus électrifié et tout ça ». Est-ce que ça sous-entend beaucoup des choses, une sorte de maintien au pouvoir ? Vous savez, le programme de développement économique et social de la Guinée s'étale sur un horizon qui va au-delà d'un mandat de 2 ou 3 mandats. Non. Ce n'est pas parce que si vous permettez une vision, une planification pour un pays n'est pas forcément liée à un mandat ou à l'expression d'une volonté personnelle. Les le président ne vous a pas dit, dans 5 ans, non, mais oui, le jeu peut être lui comme ça peut être la fonction. Qu'est-ce que vous en savez ? Demandez-lui une clarification. Demandez à celui qui s'est exprimé ainsi une clarification, parce que n'oubliez pas que la personne se confond à la fonction et à l'institution. Laquelle des deux a parlé ? Demandez-lui, il est encore là. Alors avant d'aller à la pause, forcément,
Vous êtes hier, on a écouté Mohamed Bangoura, Roméo, le responsable de la communication du SLEG. Vous qualifiez du messie de la Guinée. Ouais. Vous avez repris le dossier, le brûlot de cette grève à la dernière minute, au moment des fêtes. Et en moins d'une semaine, c'est, on va dire, la fumée blanche qui jaillit. Comment vous avez fait, M. Thibaut Camara? D'abord, je voudrais... Quel est votre secret? D'abord, je voudrais dire que, très sincèrement, et ça, c'est sans la moindre démagogie, je ne crois pas à un destin isolé dans un pays où, à la qualité de surhomme, apprenant à être modeste, je ne crois pas qu'un seul homme, à lui seul, puisse faire un miracle. Mais il est évident que parfois, certains peuvent avoir plus de chance que d'autres. Vous savez, quand il y avait chance. Les campagnes... Oui, il faut être modeste. Moi, je pense que... Ça ne passe pas. Moi, je pense que... Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. D'abord... Ça ne passe pas. Si vous avez... Non, ça ne passe pas. La patience, non, bah, de m'écouter. Je veux bien, vous saurez jusqu'où. Mais là, ça ne passe pas. J'ai envie d'aller. Et où je voudrais en venir. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, très sincèrement, faisons chacun ce que nous avons à faire et laissons à chacun aussi la liberté de commenter ce que nous avons à faire. Vous savez, moi je vais vous dire ma conviction. Dans ce pays, on parle beaucoup. On a passé toute notre indépendance, toute cette époque démocratique à parler de tout et de rien. Lorsqu'il s'agit de parler, c'est facile, mais très peu entreprennent d'agir. Moi je préfère de loin le risque de l'action et l'inconfort parfois de prendre des initiatives que la résignation du silence ou la difficulté à entreprendre. Faisons ce que nous devons faire pour notre pays. Moi, je pense qu'on est arrivé à un stade entre le gouvernement et le syndicat où il fallait une personne peut-être qui peut être écoutée par les deux parties en toute confiance pour renouer le fil du dialogue et rétablir la confiance. Parce que dans la négociation, l'élément clé, c'est la confiance. On ne peut pas faire une médiation. D'où ma question, elle est très importante. On en parlait hier, la confiance, la crédibilité. Lorsque des grévistes, par exemple, demandent à avoir tel interlocuteur, c'est de leur droit et bien évidemment pour faciliter la tâche. Mais alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas une première. Je crois qu'il y a eu des manifestations encore en Guinée. C'est vous qui êtes venu, disons, sauver, entre guillemets. Mais moi, la question, c'est... Exactement. Ma question, c'est où est-ce que vous étiez avant? Parce qu'après, il faut durer dans la crise. On voit M. Thibault qui arrive. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à temps alors que pour ceux qui sont concernés, vous êtes la personne idéale? Qu'est-ce qui se passe? Bangoura, le joker, on ne le sort qu'à la fin. Mais il faut pas faire son temps. Est-ce que vous êtes le joker? Je voudrais répondre à cette question. Vous allez peut-être éclairer ma lanterne sur certaines critiques qui viennent d'ailleurs de votre propre camp, parce que d'aucuns pensent que vous entretenez la crise. Ensuite, vous venez en sapeur-pompier proposer vos solutions. Je pense que vous avez bien fait d'évoquer cette question, parce que, évidemment, ça explique en partie parfois les difficultés pour notre pays à avancer. On ne fait rien et on essaie de jeter la pierre à ceux qui tentent de faire quelque chose. D'abord, je ne suis pas auteur de la crise, ni d'aucune crise dans ce pays. Chacun sait comment les crises viennent et je ne pense pas que j'en sois ni la raison ni le responsable. Les revendications du SLEG sont connues, elles n'ont rien à voir avec ma personne. Et ceux qui sont en charge de négocier avec que ce soit les partenaires politiques et les partenaires sociaux sont connus. J'appartiens à un gouvernement où chacun a son rôle, les responsabilités sont claires et délimitées, et aussi il y a une discipline à observer. J'appartiens à un gouvernement, je ne peux pas m'envoyer moi-même à mission. Je suis d'accord. Ou m'imposer dans des rôles qui ne sont pas les miens. Bien. Mais lorsqu'on arrive à une difficulté, ce n'est même pas seulement en tant que membre du gouvernement, mais il est du devoir de chaque citoyen, lorsque le pays arrive à une sorte d'impasse, d'user de ses moyens, de son influence et même de sa relation avec certains des acteurs pour essayer de faciliter la conclusion d'un accord. Bien. Si vous avez remarqué, je n'ai pas entrepris de négociations officielles, je ne me suis pas exprimé sur le sujet parce que, justement, je ne suis pas dans un combat de reconnaissance, de leadership ou de rivalité avec quelqu'un d'autre. Moi, ce qui aurait fait mon bonheur, c'est que le pays ne connaisse pas de crise. Bien. C'est ce qui aurait fait mon bonheur. Voilà. Cela, ce n'est pas de résoudre des crises. Et surtout, quand je n'en suis ni l'auteur, ni le responsable, moi je ne fais la polémique, laisse qu'elle en vaut la peine et ceux qui la suscitent en valent la peine. Bien. Dans ce cas, si ils ont envie d'un débat véritable,
comme moi, j'en appelle souvent, mais qu'ils viennent me le dire en face. Ouais. Surtout que moi, j'ai une éthique qui fait que je ne joue pas contre mon camp et je ne marque pas contre mon camp. Bien. Ce que j'ai envie de dire, je le dis et tout le monde l'entend. Bien. Mais c'est dommage qu'à une époque démocratique, qu'on passe par d'autres pour exprimer son opinion et ses convictions. Bien. Ceux qui ont envie de me faire des reproches, qu'on fasse le débat. Voilà, on a touché la plaie. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La question, on vous l'a posée, c'était de savoir quelle a été votre touche. Alors que beaucoup d'autres acteurs s'étaient essayés quand même à ramener les deux parties, le SLEG et le gouvernement, autour de la table et à les faire parvenir à un consensus. Cela n'a jamais été possible. Il a fallu donc que vous repreniez le dossier pour que on en arrive à un compromis qui se dessine et qui pourrait donc être conclu ce mardi. Comment vous avez fait? Par quoi vous avez procédé? Et quelle a été donc la touche particulière que vous avez à apporter pour convaincre surtout Aboubacar Soumah et sa troupe? Est-ce que vous comprenez la colère ou cette sorte de gêne de ces autres au sein de votre propre camp qui ne sont pas du tout contents du fait que vous les ayez ravir la vedette, si je peux le dire ainsi? Bon, disons d'abord que à ce qui concerne ma contribution parmi tant d'autres qu'il y a eu auparavant, je pense que c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a un problème dans un pays et que ça constitue une préoccupation pour le pays, que chacun, quel que soit son niveau de responsabilité et d'engagement public, s'il peut contribuer à une solution, qu'il le fasse. Moi, j'ai un principe qui est simple, aussi bien dans ma vie que dans ma vie professionnelle. Oui. Je ne dis rien de ce que je ne pense pas. Je ne m'engage pas lorsque je sais que je ne serai pas capable de tenir parole. Oui. C'est une question d'honneur personnel et de crédibilité aussi bien de la personne et surtout lorsqu'on est dans une fonction de la responsabilité qu'on incarne. Ouais. Il faut avoir un langage de vérité avec tout le monde. Ouais. Moi, dès le départ... Quand vous dites langage de vérité, ça veut dire que ceux qui sont passés là n'ont pas dit la vérité aux syndicalistes? Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas dit la vérité, mais vous m'avez demandé, vous ne m'avez pas demandé les raisons des difficultés des autres, vous m'avez demandé les raisons qui ont poussé à ce qu'il y ait plus de compréhension qu'ils ne l'ont eu jusqu'à maintenant. Je vous dis que, moi je dis clairement ce que je pense. Oui. Dès le départ, je leur ai expliqué dans ce processus de discussion plus qu'informel, parce que... Langage de vérité, Thibault. Langage de vérité, dites à vos partenaires ce que vous avez dans le cœur et faites-leur comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas voulu de discussion en tant que telle sur les 8 millions parce que dès le départ, je leur ai expliqué que dans le contexte d'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire face. Pour vous, il y avait un flou qui était entretenu un petit peu ou pas du tout? Il y avait un certain espoir. Ben non, est-ce qu'il y a un flou qui était entretenu à un moment donné? Parce qu'on a vu quand même Louceni, le gouverneur de la Banque Centrale, qui s'est bougé dans ce sens-là. On a vu aussi la deuxième personnalité du SLEG qui a été même traité de traître, prêtez-moi d'expression. Vous, qu'est-ce qui s'est passé finalement à la fin? Parce que vous l'avez pas fait mourouater à dire les 8 millions, vous n'allez jamais, ben, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Thibault Camara? C'est peut-être aussi... Même le fait de dire que vous n'avez pas... Vous semblez avoir dit ici que vous ne leur avez pas promis quoi que ce soit sur les 8 millions. Vous leur avez tenu un langage de vérité. Ce qui n'est pas un discours nouveau, monsieur le ministre d'État. Parce que bien avant vous, et je crois que même avant votre récente intervention dans cette crise, vous avez été aussi de ces acteurs qui... On fait comprendre au SLEG dès le départ que les 8 millions, c'était de l'ordre de l'impossible. Mmh. Je ne crois pas que ce soit ce genre de discours de vérité qui ait amené le SLEG à revenir à demeure sentiment. Peut-être que, comme l'a dit hier Roméo, il a parlé de la manière. Les la manière de le faire et surtout votre crédibilité, ils l'ont toujours tous clamé d'ailleurs, votre crédibilité auprès des hauts responsables du SLEG, c'est peut-être ce qui a fait la différence. Le moi est haïssable. Le moi est haïssable. Moi, je ne voudrais pas parler de moi en particulier d'ailleurs. C'est l'occasion de remercier, même si on n'est pas encore à la fin de la crise. Effectivement. Quand bien même il existe un espoir réel d'en sortir, c'est l'occasion de remercier toutes les bonnes volontés qui sont impliqués dans la résolution de la crise et leur rendre hommage pour leur engagement
et leur volonté de résoudre une question lancinante pour l'ensemble de la nation, parce que lorsqu'il s'agit de l'école et des élèves, c'est une question qui interpelle la conscience individuelle et collective. Donc, je ne peux que leur rendre hommage. Et c'est peut-être l'effort de chacun et la contribution de tous qui auront permis de parvenir à une meilleure compréhension. Et peut-être aussi, le moment explique une meilleure compréhension, parce que la lutte a beaucoup duré et il y a un agacement de l'opinion. Peut-être que le moment était venu de faire la paix des braves. Ouais. Et je pense que ce contexte aussi a énormément contribué à une meilleure compréhension. Parce que, on peut le dire ainsi, après l'épreuve de force, parce que ça n'était une, entre le gouvernement Quel et le langage siège, quand on rencontre Boubacar Souma? On pense qu'il faut aller à la paix des braves. Ouais, Il l'a compris comme ça, Boubacar Souma, parce non, que... Non, Thibault, c'est pas possible. Quel est le langage qu'il faut utiliser quand on rencontre un dur à cuire comme Boubacar Souma? Parce que jusqu'au dernier moment, on a suivi ses sorties. Comme j'avais commencé à le faire, mais je n'ai pas eu, malheureusement, l'occasion d'aller jusqu'au bout de mon idée, et c'est d'ailleurs le principe de cette émission, de perturber un peu les invités, dans leurs réponses, et je vous rends hommage, parce que cet esprit contribue un peu, non seulement à faire le charme de l'émission, mais vous caractérise chacun. Ça, c'est un compliment personnel, qui n'est peut-être pas innocent, quand on sait tout l'effort que vous avez fourni, et peut-être qu'il n'ira pas sans difficulté, parce que parfois, c'est difficile de vous faire des compliments, en paraissant tout à fait innocent. Donc, je disais, dans une négociation, ce qui est important, c'est la confiance. La confiance. On ne peut pas réussir dans une négociation quand on n'a pas la confiance des acteurs concernés. Ensuite, c'est la crédibilité des propositions que vous leur faites. Vous faites et comment sans doute, vous leur faites d'un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Si vous êtes là, c'est parce que, tout simplement, Kassori a donné le feu vert. On est bien d'accord. Qu'est-ce que ça vous fait qu'on dit « Vive Thibault Kassori zéro » Non, d'abord, le gouvernement est un et indivisible. Ouais. Je l'ai dit à certains, je ne peux pas être responsable des propos tenus dans les états-majors politiques ou au sein des centrales syndicales, parce que je n'étais pas là pour souffler les grands ce qu'il doit dire. Je dis souvent, lorsqu'on critique, on trouve que c'est tout à fait naturel, mais lorsque de temps en temps, certains disent du bien de nous, on pense que c'est dirigé contre d'autres. Alors qu'on passe tout le temps à dire du mal de nous, ça n'émeut personne. Mais pour une fois qu'on dit du bien, ou qu'il arrive qu'on dise du bien de quelqu'un, on estime que c'est le plus grand mal. Ouais. Je pense ça arrive vraiment aussi que je fasse des compliments dans cette émission. Sortir, c'est le moment de vous dire félicitations, M. Thibault. Merci beaucoup. Bah, il faut sortir de cette polémique, Lamine. Ce qui est important, je vais vous dire ce qui est important. Les grandes gueules. Ce qui est important, il faut apprendre à dire du bien des autres. Ça ne fait de mal à personne. Oui. Il faut reconnaître le mérite. Beaucoup de personnes dans ce pays ont été tuées pour leur talent, pour leurs compétences. Oui. Beaucoup sont séquestrés aujourd'hui parce qu'ils pensent différemment. Ouais. Ils ont une liberté de conscience. On n'a jamais réussi à faire la promotion du mérite, de l'excellence, parce que le Guinéen est toujours gêné de reconnaître à l'autre ce qu'il a comme mérite, parce qu'il pense que c'est une faiblesse ou que ça diminue la personne qu'il est. Moi, je n'ai pas de mal à reconnaître le mérite de chacun et à louer l'excellence. Bien. C'est peut-être une culture différente. Donc, ce que je voulais dire, et qui est essentiel pour moi, c'est que moi, heureusement, je ne suis pas à ma première participation à un gouvernement. Donc, j'en connais les règles et les principes. Et je sais aussi qu'il y a une éthique d'engagement et une discipline d'équipe. Vous imaginez bien Donc, que je ne peux pas... Des hommes d'État, vous voulez dire, il y a peut-être des différences, parce que Moussa, hier, faisait, allez, on va dire, une réflexion dans cette émission hier. On parle de Maurice Sangaré, un militant qu'on prend au village et qu'on met dans un gouvernement. Moussa, tu le disais hier. Oui, mais je disais qu'il y a des... Il est grand. Je disais donc qu'il y a des forces au sein de cette équipe qui ne travaille pas dans le même sens que vous, qui, au moment où vous souhaitez sortir l'école guinéenne de cette crise, ben, ces personnes souhaitent que la crise perdure parce que, tout simplement, elles y tirent quelques avantages. Voilà. Merci beaucoup pour cette question, Moussa Moïse. Je voudrais d'abord dire que chacun d'entre nous doit faire l'effort de mériter la confiance du chef de l'État en exerçant avec beaucoup d'honneur et d'efficacité, les responsabilités qu'ils nous confient. Le plus souvent, les gens se battent pour avoir un poste, mais lorsqu'ils y arrivent, on ne les voit plus, et l'engagement a pris fin. Comme si le but ultime était d'avoir une responsabilité, et après, plus de détermination, plus d'engagement. Moi, je pense que chacun de nous
si on faisait un effort de mériter la confiance du président, en s'engageant totalement pour le pays et en étant totalement loyal à lui, je pense que le pays n'en serait pas là. La loyauté, je le précise, ce n'est pas le zèle excessif de certains, c'est de faire le travail pour lequel on a été appelé au gouvernement et de se montrer à la hauteur de l'aspiration du pays. Ce n'est pas de dire des éloges tous les jours. Le président de la République, dans son effort de rassemblement... En toute franchise, Thibault, il y a eu des dysfonctionnements. Donc ça veut dire qu'il y a des ministres incapables dans le gouvernement. Pas des ministres incapables. Moi, je dirais simplement... Attendez, si vous me suivez, vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais peut-être dire pire que ce que vous dites. Oui. À Guinée, lorsqu'il y a un problème, tout le monde pense avoir la solution. Oui. C'est déjà ça un problème. Parce que vous avez vu, lorsqu'il y a une grève syndicale, ça devient l'affaire des imams, ça devient l'affaire de bonne volonté, ça devient l'affaire de notabilité, ça devient l'affaire de coordination. Dans une confusion de genre et de rôle comme ça, il est difficile d'être efficace dans l'action et d'avoir une clarté dans l'action. Ouais. Aujourd'hui, qui est en charge des syndicats? Il y a le ministère du Travail, il y a le ministère de l'Éducation, il y a le ministère même de la fonction publique. Moi, je pense que lorsqu'un problème se pose, il faut prendre l'habitude de donner un mandat clair et précis à ceux qui en ont la charge. Maintenant, lorsqu'ils montrent leurs limites, les faire remplacer peut-être par d'autres ou demander à d'autres de les appuyer dans leurs efforts. Oui, mais il est constant aussi que tout le monde s'occupe à la fois de la même chose. Oui. Il n'y aura non seulement pas d'efficacité, mais il y a même un risque de rivalité à l'intérieur de la même équipe. Mais c'est ce que c'est pas. Justement, le constat aussi, c'est que... On n'a plus besoin de clarification des rôles et de responsabilités claires dans la résolution des problèmes que de cibler des individus en particulier, parce que cela n'est pas non plus efficace. La mine, lorsqu'il s'agit d'espace, on sait à qui s'adresser, on ne s'adresse pas à 1000 personnes à la fois. Pourquoi on ne pourrait pas reproduire cette expérience à l'échelle de la nation? Tout le monde a la solution à tout problème dans ce pays. Voilà le principal problème. Parfois, pour mériter ils en ont besoin. Pour se faire plaire au chef de l'État, c'est deux choses différentes. Parce qu'on peut se faire plaire du président sans être efficace et sans mériter sa confiance. Je vous dis que la loyauté envers lui, c'est de faire en sorte qu'il soit tranquille et que le pays soit stable. Mais on ne crée pas des espaces de conflit et on n'entretient pas des tensions uniquement pour montrer qu'on a un rôle ou qu'on peut avoir une place auprès de lui. Parce que la vérité dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup à qui les espaces de conflit profitent dans ce pays et qui alimentent les tensions pour qu'il n'y ait jamais la paix. Mais comment est-ce qu'on va cette question, s'il vous plaît? Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous me regardez dans les yeux, bien sûr, est-ce que c'est un gouvernement de clan? Le gouvernement gagnerait être plus homogène. Répondez-moi. Et avoir est-ce que c'est un gouvernement de clan? Là n'est pas le problème parce que partout il y a un enjeu de pouvoir. Il y a des rivalités et des querelles. Oui. Partout il y a un groupe d'hommes et un enjeu de pouvoir. Oui. Ce que je n'accepte pas par contre, lorsqu'il s'agit de la discipline interne et de l'intérêt commun, que ces rivalités et ces clans prennent le dessus. Donc c'est un gouvernement de clan? Ce n'est pas un gouvernement de clan, mais comme tout gouvernement, il y a des clans et des rivalités. Il y a des... Absolument. La teneur de ce protocole d'accord. Hier, nous avons écouté Roméo. Il nous a parlé de quelques lignes de ce protocole d'accord. On aimerait savoir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Qu'est-ce que vous promettez aux enseignants guinéens et qu'est-ce qui est faisable, justement? Dans une discussion, et chacun a exprimé ses préoccupations et ses attentes. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de nouveau dans les propositions qui ont été faites, comme vous l'avez dit hier, parce que je vous ai également suivi. Aujourd'hui, les enseignants ont des attentes, parce qu'il y a quand même 3 mois que dure la grève. La première préoccupation qui a été exprimée, bien entendu, c'est le dégel de leur salaire durant la période de la grève. Oui. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu cette revendication initiale, qui était celle des 8 millions, sur laquelle ils ont demandé à l'État de faire un effort. Mais évidemment, la volonté est là, mais la possibilité n'existe pas. Ouais. Comme on dit, Mofoudia ne se fâchera pas, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Après l'augmentation des 40%, je sais que vous avez des relents féministes, mais ce n'était pas dirigé contre les femmes, au contraire. Les grandes gueules. La promotion des femmes, c'était une parenthèse, à commencer par le chef de l'État lui-même, qui protège un peu votre statut et votre espace. Puisque le débat n'est pas là, sinon ce n'est pas le cas.
Donc, je continuerai avant la polémique. Donc, je voulais simplement dire que sur la question des 8 millions, parce que vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu une augmentation de 40% qui a été consentie à la faveur de la première grève et crise sociale que le pays a connue. Et jusqu'à présent, le budget fait des efforts pour équilibrer les comptes suite à cette dépense inattendue et importante qui a pesé très lourdement sur les finances publiques. Donc, faire une augmentation dans ce contexte, sans compter qu'en dehors des enseignants, beaucoup aujourd'hui souhaitent une revalorisation salariale que l'État lui-même souhaite, mais malheureusement dont il n'a pas les moyens, au risque de tuer la poule aux yeux d'or. Donc, nous leur avons fait comprendre que cette revendication, elle est légitime, nous la comprenons, mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'y faire face. Ouais. Même si nous nous y engagions, ce serait peut-être de mettre fin à la crise, mais c'était de déplacer et de reporter le problème. Ouais. Autant donc y faire face une bonne fois dans la clarté pour ne pas qu'on ait à en discuter dans un mois après que cette promesse, on nous est rappelée, n'ait pas été tenue. Voilà. Donc ce que nous leur avons dit, c'est qu'il y a une opération d'assainissement du fichier des enseignants qui est en cours. Certainement, il y aura des ressources, nous en sommes convaincus, qui seront issues de cette opération. Et sur ces ressources, il est possible d'envisager de les utiliser pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le système éducatif. L'opinion et les autres travailleurs pourraient mieux comprendre les grandes les économies sur leur budget, que ces économies leur profitent, et que de procéder à une augmentation qui n'est pas possible sur le budget de l'État et qui serait un moyen d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore pour ne pas faire face à notre responsabilité de dire que ce n'est pas possible, au moins pour le moment. Bien. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, tous les pays sont confrontés à une demande sociale qui est très forte, et en voulant résoudre un problème, il ne faut pas en créer beaucoup plus et plus grave. Bien. Monsieur Thibaut Camara, ministre d'État, notre invité ce matin chez les juges Tamba. Alors, monsieur le ministre, on vous écoute bien. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, on l'a déjà dit ici. On espère quand même qu'aujourd'hui, il puisse y avoir une issue favorable à la grève et que les enseignants reprennent le chemin des classes. La question que je me pose finalement, de l'observation que je fais, Thibaut Camara, on a confiance en lui, mais au-delà de cela, j'observe également l'effet de lassitude qui a quand même joué sur les enseignants. Aujourd'hui, Thibaut sur tous les fronts. Le front politique, on vous attend là-dessus. Le front social, on vous attend là-dessus. Avec ce mouvement syndical, c'est encore vous. Il semble désormais que la paix n'est possible qu'à travers vous. Avant vous, il y avait également Khalifa Gassama Diaby. Moi, la question que je me pose, et vous nous aiderez peut-être à davantage cerner la réalité, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle leçon est-ce qu'on tire de ce mouvement de grève-là? Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas que vous à l'avenir? Que l'État puisse, par exemple, se rendre crédible lorsqu'il désignera, par exemple, un ministre, quel qu'il soit, qu'il soit écouté, que les enseignants puissent adhérer aux propositions qui leur seront faites. Tamba, vous me posez une question dont je n'ai malheureusement pas... Les grandes gueules. Parce que, comme je le dis, ce n'est pas moi qui distribue les rôles au sein du gouvernement, dont je ne suis d'ailleurs pas le chef, encore moins président de la République. Le chef de l'État, le Premier ministre, sont dans leur rôle de distribuer les rôles et d'estimer à un moment donné que tel est plus apte à régler tel problème qu'un tel autre. Mais cela dit, nous travaillons dans un esprit d'équipe et de discipline gouvernementale. J'insiste. Si vous permettez, je ne suis pas à ma première expérience gouvernementale. Vous avez vu ces propositions qui ont été faites au SLEG. Si vous permettez, les règles et les principes des propositions ont été faites au SLEG avant que le ministre Thibaut n'entre en jeu. Propositions sur le salaire, mais également sur la restructuration de ce salaire-là, l'accompagnement au logement, tout ceci avait déjà été fait. Damaro Camara avait également proposé que l'argent qui sortirait du contrôle de leur fichier puisse leur être reversé. Les grands On a dit non. Comment faire que ce ne soit pas une question de personne, justement, que l'on voit derrière un Thibaut ou derrière un autre ministre l'institution, que l'on voit le gouvernement et non la personne qui parle en son nom. C'est quand même sérieux que l'on se retrouve à dire c'est Thibaut, la manière qu'il a emprunté, c'est celle-là qui nous a plu.
Alors qu'un autre ministre, le Premier ministre lui-même a fait la proposition, on aurait pu accepter cela et nous éviter ces 3 mois sans cours. Thomas, encore une fois de plus, j'insiste, c'est beaucoup plus un commentaire et un constat qu'une question qui m'est adressée. Une fois de plus, je ne souhaite pas un destin isolé, ni avoir la qualité de Superman. J'appartiens à un gouvernement qui a des objectifs, qui a un chef de gouvernement qui nous distribue les rôles et nous évalue chacun en fonction des tâches qu'il nous confie. Bien. Je n'évolue pas en dehors du gouvernement, encore moins contre le gouvernement ou un des membres du gouvernement. Ce que nous faisons, c'est au nom de l'institution de l'État. Et au sein de cette institution et de cet État, c'est une addition de personnes et autant de profils, de talents, de compétences diverses. Et c'est tout cela qui enrichit notre équipe gouvernementale et nous permet d'être efficace dans l'ensemble sur beaucoup de fronts. Alors moi je vais peut-être revenir sur la question de Tamba, mais pas en tant que tel, c'est-à-dire au lieu de la gestion, mais des causes de la crise. Aujourd'hui, on a eu les forces sociales, les crises liées au quotidien du Guinéen, le pétrole et tellement de choses. Aujourd'hui, et chaque fois qu'on parle de ces crises, nous parlons de la gestion qui est faite, c'est-à-dire la corruption qui fait qu'aujourd'hui, le Guinéen ne peut pas bien vivre alors qu'il pourrait vivre de ce que la nature même offre à la Guinée. Et ça, c'est souvent le gouvernement qui est indexé. Comment ça se fait aujourd'hui que de bout en bout, le Guinéen soit obligé de manifester sur le plan politique pour le respect du calendrier électoral alors que c'est clair? Comment ça se fait qu'aujourd'hui qu'on se retrouve avec des crises qu'on peut naturellement éviter? Après, la deuxième question, c'est par rapport au SLEG. Hier dans la journée, 2 réactions. D'abord, le porte-parole qui était là et un peu plus tard dans l'après-midi, Aboubakar Souma qui a dit que non, rien n'a été fait, donc la grève reste maintenue. Est-ce que de ce côté, vous gérez un peu toutes ces déclarations pour ne pas qu'au moment où on espère sortir de la crise qui est encore... d'autres problèmes qui bloquent tout à fait la situation? Vous avez parfaitement raison et je salue votre inspiration de ce matin qui n'est pas habituelle. Dans votre... Il le fallait. Ça montre que... Le temps n'était pas venu, on ne pouvait pas terminer l'émission sans que vous n'ayez... Non, pas du tout. Je note avec beaucoup de satisfaction que vous êtes... Les grandes gueules. Aujourd'hui seulement. Contrairement aux autres passages que j'ai eu ici. D'habitude, répondez à la question. Très exalté dans les émissions et j'apprécie cela d'ailleurs. Vous comprenez pas. On dirait que M. Diko Camara tient vraiment à placer ça. Vraiment. Bien. Allez-y, M. Camara. Non, je ne tenais pas à placer, je m'exprimais librement. Allez-y. Allez-y. C'est le credo de votre. Vous avez la parole. Vous savez, c'est pas très souvent. Vous savez, en fait, un invité qui s'assume comme ça, c'est qu'elle vous a eu. En fait, il répond pas à la question, Mafoudia. Vous êtes trop naïve. Non, c'est pas grave. Allez-y, M. Camara. M. Diko, il le sait. C'est pas grave, c'est compris. C'est un grand journaliste. Tu vas leur répondre à ma question. Bien. C'était quoi la question, Mafoudia? C'est d'abord sur le SLEG, 2 réactions en une journée. Qu'est-ce qui se passe après? Quand on revient sur la cause de toutes les crises, sur le plan politique, c'est parce qu'il n'y a pas un respect du calendrier électoral. Et ça, c'est du côté du gouvernement. Quand on prend les autres crises liées au quotidien du Guinéen, c'est parce que cette corruption que le président lui-même reconnaît, que le Premier ministre reconnaît, mais après, c'est comme si rien n'était fait pour assurer les Guinéens œuvrer pour qu'ils vivent mieux dans leur propre pays. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, la première question, moi, pour habitude, et c'est plus efficace lorsqu'on mène une médiation, c'est toujours prudent et c'est plus efficace pour tous les acteurs d'éviter de communiquer autant que possible et même de communiquer à contre-courant de manière à ce que la communication soit un élément de blocage ou de tension dans le processus d'apaisement qui est celui nécessairement d'une négociation et d'une médiation. C'est pourquoi... Moi, je ne me suis pas exprimé sur le sujet. Et j'attends qu'on ait une issue pour éventuellement commenter la suite des événements. Donc, mais le monde syndical et le monde politique est un monde où la parole est facile et est souvent prise. Et donc, je ne peux pas imposer aux collègues ni aux autres acteurs la discipline de parole et de réserve que je me suis imposée. Mais c'est vrai, tant qu'il n'y a pas un accord... Cela va de soi, la grève reste maintenue parce que c'est l'accord qui met fin à la grève. Mais pour une première fois, il y a une lueur d'espoir que l'horizon sera clair et je sens cet espoir au sein de l'opinion qui attend avec beaucoup d'impatience le dénouement de cette crise qui n'a que trop duré et affecté le climat social et surtout perturbé l'école guinéenne dans son ensemble. Bien. Je pense donc que l'issue de la crise est beaucoup plus importante que toutes les difficultés que nous rencontrons
y compris parfois la surenchère dans la parole et parfois les pics entre les différents acteurs. Ouais. Voilà, est de bonne guerre, mais ce qui est important, c'est la fin. Et cette fin, nous la souhaitons heureuse et imminente. Bien. Maintenant, messieurs, les crises, elle a raison. Ouais. Il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, si nous réussissons à anticiper les crises, ce sera un grand mérite pour le gouvernement. Et nous ne sommes pas à l'aise, non seulement avec les crises, mais avec la multiplication des crises. Parce que non seulement ça lasse l'opinion et on sent une certaine angoisse chez les populations, mais ça nous détourne des objectifs de développement du pays. Parce que lorsqu'il y a une crise, vous ne pensez à rien d'autre qu'à résoudre la crise. Mmh. Et malheureusement, il y a des crises à répétition. Et le plus souvent, il est difficile de les surmonter parce que la difficulté dans les crises, c'est le choc des égos. De dire « je ne fais pas » ou « je ne ferai pas », ça complique toujours une sortie de crise. Quand les positions sont extrêmes ou crispées, la médiation devient extrêmement difficile. Ouais. C'est pourquoi j'ai parlé du contexte qui amène chacun à aller à la paix des braves. Ouais. Cela est un élément essentiel, en plus de tout ce que vous avez cité. Mmh. Le contexte a énormément plaidé aussi en faveur d'une sortie de crise, parce qu'on sent une lassitude chez tous les acteurs et une attente chez les populations qui nécessairement ne peut pas ne pas être prise en compte, parce que lorsqu'il y a un problème, ne croyez pas qu'en dehors des négociations officielles, les autres acteurs ou citoyens anonymes n'exercent pas la pression aussi bien sur les gouvernants que les responsables politiques et syndicaux pour dire « ça suffit comme ça ». Nous avons envie d'avoir une vie normale. Bien. Et il y a un effort à faire pour terminer sur sa question, pour ne pas créer le sentiment que je n'ai pas été jusqu'au bout. Il y a un effort à faire dans la lutte contre la corruption. Il y a un effort à faire dans l'amélioration de la gouvernance. L'exemple doit venir d'en haut. Lorsqu'on montre l'exemplarité au sommet de l'État, lorsque les dirigeants publics se montrent dignes de l'estime et de la confiance des populations, ça facilite non seulement les rapports à ces populations, mais la prise de décisions publiques. Mais lorsque vous cessez d'être crédible, parce qu'il n'y a plus de confiance, ou on vous fait trop de griefs dans vos pratiques et dans le système de gouvernance, la parole publique devient moins audible et l'autorité plus difficile à exercer. Bien. Monsieur Thibaut Camara, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.